This is the way how they make flour. I want to say grain. Yeah. Easy for me to say flour. You don't know how to say grain. Ça fera du genre. La farine. Comme vous voyez ici, c'est un moulin hydraulique et ça fonctionne avec la force de l'eau. Ici, c'est la route de l'eau. Maintenant, on n'a pas de l'eau car on a une inondation hier. C'est pour ça qu'on n'a pas de l'eau maintenant. C'est l'eau, lorsqu'il vient de la rivière comme ça, il nous fait tourner la turbine de bois qui se trouve en bas. Et la turbine est liée avec la pierre avec Allah. Donc ça coule la turbine, ça tombe, la pierre, ça tombe en parallèle. De l'eau, ça coule de l'opanium et des grains. De blé, de maïs ou bien de l'orge. Avec ce morceau de bois, quand la pierre s'attend, elle fait de la vibration et permet des grains de tomber à l'intérieur de la pierre. Elle nous permet d'avoir des farines comme ça, par laquelle on peut préparer du pain ou bien du couscous. Ça, c'est un réglage par lequel on règle la hauteur de la pierre. Elle nous permet d'avoir des petits ou bien de grosses farines. Et ça, c'est un frein. Quand le tombe comme ça à droite, ça change la direction de l'eau et comme ça, ça s'arrête la pierre. Ça, c'est un frein pour s'arrêter le mur. Allez, vous pouvez prendre des photos si vous voulez. Je vais les expliquer à les autres. Après, on va continuer la visite à la dernière de la maison. Okay, first you welcome to the bourbon house. This is the water made to mix the flour by power of water. Here we have stream with water, but we don't have the water now. If the water comes from the river, it's to move in the turbine underneath, and the turbine turns the stone. With the basket to put the grain, barley, maize, or wheat, and with piece of the wood, if the stone moving like this, is to make the vibration to give the grain and going inside the stone, to give the flour like this, to make the bread or couscous. The setting we use it touches the height of the stone to give the fair flowers. And this is the rig. We use it like this to change the direction of water like this, the stone stopping. That's it. What is it? Okay, you can take the picture if you want, after you can go inside the house. Mm-hmm. Okay. Yeah, please, this way, please. Why? Nothing like fresh chicken and fresh eggs. À l'intérieur, on a deux bassins de l'eau pour ça. Une pour de l'eau froide et l'autre est basée sur l'eau pour ça pour le chauffer pour dégager la vapeur. Après, on entre dedans avec du sabon noir. On reste comme ça 15 minutes bien. On commence à frotter comme ça avec un aigle. C'est pour ça que c'est laver la région vers l'air. On voit que le hammam est très petit comme ça car on trouve que dans notre région, on n'a pas 10 salles de bain publiques pour tout le monde pour ça qu'on trouve à la ville. Alors que dans chaque maison, on trouve une salle de bain comme ça et c'est juste la famille de la maison qui peut l'utiliser. Allez, vous pouvez entrer le voir dedans. And this is hammam, steam bath, or sauna. Here we put the fire. Vous pouvez montrer, monsieur le bas. Here we put the fire. Inside we have two brackets like this for the water. We put the fire here to hold water inside and also to hold hammam. And it's very small like this because in the region Berber, we didn't have the big steam bath like this in the city. The steam bath for all people. But every house has a small steam bath like this one and it's just the family of the house can use it. So see you later. Enjoy your laver les vaisselles. Ça c'est le four à pain, on l'utilise comme ça pour préparer du pain. Ici à droite on met du feu, ici sur ce morceau de pierre là, on met du pain pour le cuire.
ça, on l'utilise pour préparer du couscous. Et c'est là où on utilise que ça, grâce à ces minéraux, on utilise que ça pour chauffer de l'eau. Ou bien on met cette place sur elle pour préparer les galettes du pain. Ou bien on prépare ça, on détache comme ça. Et c'est pour les épices. Comme vous voyez ici, c'est pour les vaisselles, la cuisine. And this is a kitchen. This is the wood. We use it for fire. And this is the water from the source, the mountain. We use it like this to drink or to wash the dishes. That we use it to cook in the bread. Here we put the fire. And inside the stone like this, we put the bread to cook in the bread. And that's we use it to cook in the couscous. And that's we use it like this to hot water. Or we put this plate here to cook in also the bread. Or we use it to cook in the tajine like this. And that's for spices, here for the dishes, the kitchen. Okay, you can check the picture if you want. Comme les gens du comme ça. Enfin, jamais. C'est pas ça, c'est vraiment. C'est pas quelque chose de nature. Mmh. Les épices comme ça avec les harissons. Ah, il faut retourner le crème. Tirer quoi. Tirer. C'est pas mal, man. Ah, oui, c'est ça. Tu vas pas oublier la tradition. To shake it. Right. And this is the storage. We use the different flowers like this, onion, and that's we use it for olive oil. And that's we use it like this to make the butter. This for to make the butter. We put it inside the mix the cups and we shake it like this 30 or 40 minutes after we have the butter. Yeah. Ici c'est la garde manger. On stocke ça des différentes familles. Les oignons comme ça, les gens on l'utilise pour l'huile d'olive. Et celle-là, c'est la barate par laquelle on fait du beurre. On met dedans de l'écaille de la vache. On le secoue comme ça, 30 bien 40 minutes. Après, on trouve du beurre. Et le petit le sang. Tu vois, c'est magique, magique ça. Alors, si vous voyez la façon de construire comme ça à la maison, ça construit avec des pierres que vous voyez là-bas et de la torchie mélangée avec de la paille. Et les murs, on le fait toujours comme ça épais. Et les toiles, on le fait toujours avec du bois comme ça, c'est pour garder la chaleur à l'hiver et ça garde la fraîcheur à l'été. Story. This is a sleeping room for the parents with small children. Ça c'est la chambre à coucher des parents avec les petits enfants. Et ici c'est le salon pour les invités. And this is the living room for the guests. C'est le vrai. This is the best dish for special occasions for ceremony. We use it like this for special time. For example, like this, if you have the guest, we use it for Ramadan, for Eid, or for wedding also. That's we use it to hot. Yeah. That's we use it to hot water the tea, and that's we use it for washing the hand. That's we put it inside the bread, and that's for cookies. And that's the tree like this. One we use it for sugar, another one for mat ribbon, and another one for the grand tea. All that we use it like this for special night if you have the guest like this to make the tea. And that's we use it, we put it inside the perfume. If you have the guest like this, we say welcome with the perfume. Wedding, yeah. Alors, ici c'est la belle vaisselle. Ici c'est la belle vaisselle pour les grandes occasions.